Salut guys, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour la partie 2 de 5 meilleurs endroits à visiter à Londres. Alors si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, moi c'est Des, je te fais découvrir Londres à travers mes vidéos, mes vlogs. Alors sans plus tarder, let's go. On va commencer avec la maison de la reine d'Angleterre, Buckingham Palace. Est-ce que vous saviez que c'était possible de visiter la maison de la reine? Yes, à l'intérieur. Ça se fait entre juillet et août. Bien évidemment, il faut réserver en ligne, voir les dates disponibles. Ensuite, vous avez la possibilité d'assister au changement de la garde royale qui se fait tous les jours entre 11h, entre 11h, 11h10, si je ne me trompe pas. Le lieu numéro 2, ça va être Piccadilly Circus. C'est un quartier très vivant. Il y a plein de magasins, vous avez des théâtres. C'est vraiment un lieu incontournable quand vous venez à Londres. Le lieu numéro 3, ça va être Hyde Park. C'est vraiment un parc magnifique. J'aime beaucoup ce parc. Vous pouvez aller vous balader en famille, seul, ou vous pouvez aussi pique-niquer. C'est vraiment un magnifique parc. J'aime bien souvent aller là-bas, surtout en automne. Et vous avez plein de, comment on appelle ça, des écureuils qui viennent vous voir. C'est vraiment un endroit magnifique aussi, guys. Le quatrième lieu, ça va être Little Venice. C'est vraiment un coin très sympa. Vous pouvez vous balader autour du canal ou alors faire un tour en bateau. C'est comme vous voulez. Alors, le cinquième endroit, ça va être Harrods. C'est le plus grand magasin de Londres où on trouve toutes les grandes marques, Dior, etc. Et c'est d'ailleurs là-bas que les célébrités vont faire leur shopping. Alors si vous venez à Londres et que vous allez faire votre shopping là-bas et que vous avez envie de rencontrer des célébrités, bah allez-y, hein. C'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer des célébrités. Hola guys, cette vidéo touche à sa fin. C'était 5 meilleurs endroits à visiter à Londres, partie 2. Je t'invite vraiment à regarder la partie 1 si c'est pas, si c'est pas fait. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu es déjà venu à Londres, est-ce que parmi les endroits que j'ai cités, il y a des endroits que tu as visités, si, qui t'ont plu. Donc n'hésite pas, mets-moi en commentaire, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye guys!